pourquoi les travaux de Kinshasa Arena piétinent. Depuis plusieurs mois, les travaux n'évoluent pas et certaines sources parlent du détournement de plus de 100 millions de dollars destinés à la construction de cette arena. À ce jour, cette enceinte sportive ressemble plutôt à un tombeau blanchi. Images et commentaires. Lancés en octobre 2023, les travaux de Kinshasa Arena piétinent à ce jour. Pour cause, le détournement de plusieurs millions de dollars destinés au finissage de ces travaux. Pourtant, ceci avait coûté à peu près 120 millions de dollars au trésor public. À la genèse de ces problèmes, l'impaiement de plus de 4 mois des travailleurs congolais, ces derniers avaient déclenché une grève sèche pour réclamer leur salaire, dossier classé sans suite jusqu'à ce jour. Marigot créé à l'intérieur, grue abandonnée, Kinshasa Arena ressemble à ces jours à un tombeau blanchi alors que son inauguration était annoncée au mois de novembre de l'année en cours. Selon plusieurs sources, Milvest devait préfinancer les travaux, mais pourquoi ça bloque? Certaines langues estiment que l'entreprise turque avait gonflé les chiffres et la traçabilité pose problème. Est-ce que le gouvernement congolais va prendre à bras le corps ces dossiers pour essayer de sauver le meuble, s'interroge les Congolais lambda. Pour rappel, cette arena aura une capacité de 20 000 places assises et devrait accueillir des grands événements sportifs et culturels. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.